federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour! Donc, une vidéo intéressante aujourd'hui, j'espère. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en lisant les commentaires d'un de ces témoins de Jéhovah endoctrinés qui se baladent sur nos chaînes et qui ne sont là en fait que pour critiquer tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Pour commencer, il faudrait que vous sachiez, au cas où vous ne le sachiez pas, que les personnes qui font les vidéos, les ex-témoins de Jéhovah qui font leurs vidéos, eh bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont plus dans une secte sectaire. Et ils ont le droit de dire des vérités, de révéler ce qu'ils ont appris sur leur ex-religion. Et c'est ce que je fais. Et cher monsieur ou madame Allo Allo, c'est comme ça que cette personne s'appelle sur YouTube. Je ne fais pas des vidéos pour faire de l'argent. Pour commencer, je n'ai pas assez d'abonnés pour vraiment me faire de l'argent avec les pubs sur ma vidéo. Ça encore, ça prouve que ces genres de personnes font des commentaires sans avoir fait leur recherche avant d'ouvrir la bouche ou avant d'écrire leurs commentaires. Et deuxièmement, je fais ces vidéos parce que cette religion m'a menti, m'a trompé pendant un peu plus de 10 ans, et a volé ma famille. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Ça n'est absolument pas pour faire de l'argent. Si c'était pour faire de l'argent, il y a longtemps que je ne ferais plus de vidéos. Donc, c'est le contraire. Ces vidéos me prennent du temps. J'ai à mon actif en ce moment 108 vidéos. 108 vidéos, ça prend du temps. Les vidéos, il faut les filmer, il faut les éditer, il faut les monter, il faut les télécharger sur YouTube. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, franchement, non, c'est vraiment pas pour l'argent que je fais ça, parce que vu le peu d'argent que je gagne sur les pubs, sur mes vidéos, ça paye même pas le quart du boulot que je fais pour créer la vidéo. Donc, ne dis pas n'importe quoi. Et donc, ce genre de personne m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je trouve que le témoin de Jéhovah endoctriné qui visite nos vidéos et au fait, au cas où vous ne le sauriez pas, vous ne devriez pas être sur nos chaînes. C'est interdit par vos dirigeants, donc je ne sais pas si vous le savez, mais moi je le savais quand j'étais témoin, et apparemment tous les ex-témoins que je connais le savaient aussi. Mais on a ces espèces de juges, témoins de Jéhovah endoctrinés qui jugent les autres, alors qu'ils désobéissent leurs dirigeants en se baladant sur nos vidéos. Et ça, c'est très, très, très bizarre, je vais dire. Parce que si au moins vous désobéissez votre religion pour venir voir nos vidéos, ne critiquez pas la vidéo parce que c'est absolument ridicule. Et en plus, je trouve que vous avez quand même pas mal de culot, parce que moi, quand j'étais témoin de Jéhovah, j'aurais jamais fait ça. Et je le sais pour sûr parce qu'une fois, par accident, j'étais tombée sur un site que vous appelez apostat, quand j'étais témoin endoctrinée, et j'ai été terrifiée en fait. J'ai vite cliqué pour sortir de ce site que j'avais donc trouvé par accident. Et c'est pour ça que je me demande le genre de culot que vous avez, témoin de Jéhovah endoctriné qui critique les ex-témoins de Jéhovah qui font leur travail. Mais en même temps, vous désobéissez, et vous désobéissez bien plus que nous quand on était témoins, parce que les ex-témoins que je connais étaient comme moi. Ce n'étaient pas des gens qui allaient fouiner dans les trucs apostats. Du moment qu'on était endoctrinés, on savait que notre religion nous interdisait d'aller voir ce genre de trucs. Mais vous, par contre, eh bien, vous désobéissez vos dirigeants. Donc, avant de critiquer, comme vous a dit Jésus, retirez la poutre que vous avez dans l'œil avant d'enlever la paille dans l'œil de votre voisin. Ça, c'est une chose que vous devriez faire, témoins de Jéhovah endoctrinés qui venez sur nos vidéos pour critiquer
alors que vous désobéissez vous-même votre religion, les dirigeants de votre religion. Ceci dit, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi ces témoins de Jéhovah nous critiquent tant? Pourquoi disent-ils qu'on ment? Eh bien, la raison pour laquelle ils croient qu'on ment, et je pense qu'ils croient sincèrement qu'on ment dans nos vidéos, à moins qu'ils soient carrément hypocrites, mais pour la plupart, je pense qu'ils croient vraiment qu'on ment quand on dévoile des vérités sur la Watchtower. La raison pour laquelle ils croient ça, c'est qu'ils ne font pas leur recherche. Et en tant qu'ex-témoin de Jéhovah, je sais très bien qu'on ne connaît pas sa religion quand on est témoin de Jéhovah. Non seulement on ne connaît pas les petits secrets du collège central, des dirigeants de la Watchtower, mais on ne connaît même pas sa propre religion, ses propres croyances. Un exemple. Quand des gens me disaient, quand j'étais en service par exemple, je tapais aux portes, j'ai eu des gens qui m'ont eu dit « Vous les témoins de Jéhovah n'êtes pas chrétiens, moi je suis chrétien donc je ne suis pas intéressé. » Et quand ils disaient ça, je leur disais « mais si on est chrétien, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi des gens disaient qu'on n'était pas chrétien. » Et ensuite, j'ai eu un ami, je me suis fait cet ami, j'étais déjà sortie des témoins de Jéhovah, mais je croyais encore qu'ils étaient chrétiens malgré tout. Et pareil, il me disait souvent, à chaque fois qu'on parlait de religion, il me disait qu'il savait que j'étais une ex-témoin de Jéhovah, il me disait « les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens » et je ne comprenais jamais. Il a fallu que j'aie quitté les témoins de Jéhovah depuis déjà 10 ans et que je commence à regarder des vidéos de vrais chrétiens, certains d'ailleurs même ex-témoins de Jéhovah qui sont même sortis de cette religion parce qu'ils étaient vrais chrétiens. Et ces gens, il a fallu que je commence à regarder ces vidéos de ces gens qui m'expliquent très clairement qu'est-ce que c'est que la chrétienté, qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus, et faire simplement la comparaison avec les témoins de Jéhovah, et on voit tout de suite qu'en effet, le témoin de Jéhovah n'est pas chrétien. Et donc, je vais en profiter pour vous dire que je ne me considère pas moi-même chrétienne. Je crois que Jésus est un homme qui a existé, oui, mais je ne crois pas nécessairement qu'il est Dieu comme les chrétiens le croient. Par contre, j'ai un esprit ouvert, c'est pour ça que j'aime beaucoup écouter les chrétiens. J'aime écouter tout ce que disent les ex-témoins de Jéhovah de toute manière, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, ils ont tous des choses très intéressantes à dire. Et du moment qu'ils disent des vérités sur la Watchtower, c'est ce qui m'intéresse, peu importe s'ils sont chrétiens ou pas. Personnellement, je ne me considère même pas chrétienne, donc croyez-moi. Croyez-moi encore plus, parce que j'ai pas de chrétienté à vous vendre, on va dire. Croyez-moi donc encore plus si je vous dis que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Parlons par exemple du mot, ou du nom plutôt, Jéhovah, inventé. Et si vous ne me croyez pas au fait que le nom de Jéhovah est inventé, comme cette personne-là qui se nomme Allo Allo, me dit dans un commentaire qu'il a été prouvé que le nom Jéhovah est soi-disant originaire de la Bible. Pour commencer, le tétragramme, qui est une partie, on va dire, du nom de Dieu, ne veut pas dire Jéhovah. Okay? Le nom Jéhovah a été en fait inventé. Et comme l'a signalé dans une vidéo récente, une chaîne française qui s'appelle Wow, World of Watchtower, qui est en fait une super bonne chaîne YouTube d'un ex-témoin de Jéhovah. Il se trouve que dans une de ses dernières vidéos, il parle de ce nom Jéhovah. Et dans cette vidéo, il passe un extrait d'un pasteur, et je crois que c'est un pasteur canadien, qui non seulement connaît sa Bible, mais connaît la langue hébreuse. Et il explique comment le nom Jéhovah a été inventé. Donc, le tétragramme que les témoins de Jéhovah ont remplacé par le nom Jéhovah. Mais encore, s'ils avaient fait ça seulement dans la partie de l'Ancien Testament, dans le texte hébreu, où le tétragramme se trouve, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les témoins de Jéhovah? Eh bien, ils ont inséré ce nom, Jéhovah, dans les Écritures grecques, dans le Nouveau Testament. Où, par contre, le tétragramme ne se trouve pas du tout.
Le tétragramme est 0 fois dans les écritures grecques. Et pourtant, combien de fois on trouve le nom Jéhovah dans les écritures grecques des témoins de Jéhovah, de la Bible, des témoins de Jéhovah? Eh bien, quelques 250 fois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, pour insérer ce nom Jéhovah dans leur Bible, dans la partie des écritures grecques? Comme il n'y a pas le tétragramme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont remplacé, à chaque fois qu'il y a le mot Seigneur, le titre Seigneur, boum! Ils ont enlevé Seigneur, et ils ont mis Jéhovah. Le problème, c'est que pour les témoins de Jéhovah, Jéhovah, c'est leur Dieu. Mais Seigneur, dans la partie des écritures grecques de la Bible, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que les témoins de Jéhovah, en effet, ont retiré le titre de Jésus, qui est Seigneur, dans les écritures grecques, et l'ont remplacé par Jéhovah. Maintenant, il est évident que les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah et qui savent, par exemple, que les témoins de Jéhovah ont fait ça avec leur Bible, c'est pas étonnant qu'ils disent que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils savent qu'ils ont donc enlevé le titre de Jésus-Christ, qui est Seigneur, et le remplacé par leur nom, le nom de leur Dieu, Jéhovah. Donc, ne serait-ce que ça, il y a plein d'autres choses, mais ne serait-ce que ça, eh bien, ça prouve déjà pas mal qu'en effet, les témoins de Jéhovah, ils sont témoins de Jéhovah, en effet, mais pas de Jésus, ça c'est sûr. Autre chose intéressante que, bien sûr, je ne savais pas quand j'étais témoin de Jéhovah, quand vous passez votre pain et votre vin qui représentent le sang de Jésus et le corps de Jésus à vos mémorials, bien, savez-vous que ce rituel de passer le vin et le pain sans le consommer, sans consommer le vin et sans consommer le pain, est un rituel qu'exercent les sectes sataniques? Savez-vous que c'est un des rituels des sectes sataniques de passer le vin et le pain sans le consommer, ce qui veut dire qu'ils rejettent, ils le refusent, ils refusent, ils rejettent ce vin et ils rejettent ce pain. Et c'est pour ça qu'ils font ce rituel, qui est donc l'inverse du rituel chrétien, qui est de le passer mais aussi de le consommer. Eh bien, dans les rituels sataniques, et ça, faites vos recherches, témoins de Jéhovah, faites vos recherches sur ce que font les sectes sataniques, c'est un de leurs rituels, de passer le vin et le pain sans le consommer. Une énorme preuve, une preuve très lourde en fait, que vous n'êtes pas chrétien. Et en fait, j'ai entendu dire de certains témoins de Jéhovah qui ont commencé à se réveiller, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait quand c'était des témoins de Jéhovah qui étaient chrétiens, on va dire? Eh bien, ils avaient leur petit mémorial chez eux, tout seuls, où ils buvaient le vin et où ils consommaient le pain. Parce qu'ils savaient que quand ils allaient aller à la salle du royaume, au mémorial de Christ, eh bien, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Donc, chers témoins de Jéhovah, comme je vous dis, je ne me considère pas chrétienne, mais il est évident que votre religion n'est pas chrétienne. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Moi, je ne suis peut-être pas chrétienne, mais je ne rejette pas Jésus non plus, mais vous en plus, vous le rejetez d'une manière rituelle, d'une manière religieuse. Et là, c'est vraiment pire que tout. Parce que vous vous dites religieux et vous vous dites chrétien, mais en fait, vous faites exactement l'inverse de ce qu'un chrétien ferait. C'est absolument incroyable. Donc, maintenant qu'on a compris que la source des témoins de Jéhovah, la source de la Watchtower n'est pas chrétienne, qu'est-ce qu'est vraiment la source
les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui est vraiment la source de la Watchtower? Bien, je vais vous le dire ce qu'elle est. La source de la Watchtower, elle est franc-maçonne. Et je vais vous expliquer comment elle est franc-maçonne. Pour commencer, le fondateur de la Watchtower, Charles Taze Russell, Charles Russell, comme vous devez le dire en français, eh bien, était franc-maçon. Bien qu'il y a même des ex-témoins de Jéhovah qui ont presque peur d'avouer, de dire que Charles Russell était franc-maçon, et la raison pour laquelle ils hésitent à le dire, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Vraiment? Il n'y a pas de preuve? Ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez l'anglais, une autre chaîne que je vous conseille, c'est la chaîne Kim and Mikey. C'est un couple d'ex-témoins de Jéhovah qui ont une chaîne très très intéressante, mais bon, bien sûr, tout en anglais. Et une des dernières vidéos qu'ils ont créées, eh bien, ils parlent de ça. Ils parlent de la franc-maçonnerie. Ils ont en fait, quelqu'un leur a offert un livre de franc-maçon. Parce qu'ils ont en fait un voisin qui est ami, qui est un de leurs amis, et qui était franc-maçon. Et c'est intéressant que, bon, ils ont déjà appris des tonnes de choses parce que ce livre est pour les francs-maçons. Ils sont arrivés à mettre la main sur ce livre, ce qui est quelque chose d'incroyable parce que les francs-maçons sont une secte très, très secrète pour commencer. Et donc, cet ex-franc-maçon leur a dit que ça n'est pas parce que quelqu'un n'est pas sur des listes de francs-maçons qu'il n'était pas franc-maçon. En d'autres termes, ça n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver que Charles Russell était franc-maçon parce qu'on ne le trouve pas sur une liste, qu'il ne l'était pas. Parce que d'après cette personne qui était franc-maçon, il a dit à Kim and Mikey, à ses ex-témoins, que justement, les francs-maçons étant tellement secrets, ils ne révèlent pas des noms de francs-maçons comme ça pour le plaisir, loin de là. Donc le fait qu'on ne puisse pas prouver que Charles Russell était franc-maçon parce qu'on ne le trouve pas sur une liste, c'est complètement ridicule. Il y a plein de choses qui prouvent bien mieux que ça qu'il était franc-maçon. Pour commencer, le nombre de symboles francs-maçons qu'il utilisait sur les couvertures de ses livres, sur les couvertures de la Watchtower et dans plein d'autres endroits. Quoi d'autre? Il est enterré dans un cimetière franc-maçon. Et à côté de sa tombe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pyramide franc-maçonne avec une croix franc-maçonne. Et sous la croix franc-maçonne, il est marqué Watchtower. Si ça, c'est pas une preuve de franc-maçon, je sais pas ce que c'est. Vous voyez un musulman écrire des bouquins et mettre une croix sur ses livres? S'enterrer dans un cimetière chrétien, dans un cimetière catholique? Non, je crois pas, non. Qu'est-ce qui prouve que la personne est ce qu'elle est? Eh bien, c'est pas qu'il soit dans une liste, ou sur une liste plutôt. C'est plutôt ce qu'il fait. Et bien que Charles Taze Russell n'ait même jamais dit qu'il était franc-maçon, eh bien, ses actes prouvaient qu'il l'était. Et chose encore pire, faut pas oublier que Charles Russell est mort il y a 100 ans et que la Watchtower de nos jours, jusqu'à ce jour, utilise des symboles francs-maçons. Et ça encore, si vous ne me croyez pas, faites vos recherches. Vous allez voir que la Watchtower utilise plein de symboles francs-maçons jusqu'à nos jours. Il y a une autre chaîne aussi, une chaîne française intéressante qui s'appelle La Vérité ou Rien. Et dans cette chaîne, ils vous montrent des photos, côte à côte, des photos, des dessins de la Watchtower et des photos de la franc-maçonnerie qui sont les mêmes symboles. Donc, n'allez pas me dire que Charles Taze Russell n'était pas franc-maçon, parce que s'il ne l'était pas, il était carrément fou. Parce que quelle personne qui ne va pas être franc-maçon et va utiliser tous ces symboles franc-maçons et va être enterré dans un cimetière franc-maçon près d'une
pyramide franc-maçonne, mais ça n'a aucun sens. Donc oui, mes chers amis témoins de Jéhovah, votre Watchtower a une source franc-maçonne. Vous voulez d'autres exemples? J'ai d'autres exemples. Voilà un autre petit exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, on trouve souvent les témoins de Jéhovah avec leur petite charrette à magazine, là. On les trouve souvent dans les parcs Walt Disney. Les parcs Walt Disney, c'est privé, au cas où vous ne savez pas. C'est pas comme les places publiques au milieu des villes et des villages. Les parcs Walt Disney, c'est privé. C'est pour ça que si vous allez à Walt Disney World, eh bien, vous allez devoir payer votre ticket pour entrer. Parce que c'est pas un lieu public où on rentre et sort comme on veut, c'est privé. Ça appartient à l'entreprise Walt Disney. OK? Eh bien, on trouve les témoins de Jéhovah avec leur petite charrette, leur petit magazine. Maintenant, vous savez qui était le fondateur de l'entreprise Walt Disney, right? N'est-ce pas? Le fondateur de l'entreprise Walt Disney, eh bien, c'était Monsieur Walt Disney. Walt Disney, comme on dit en français. Et qu'était Walt Disney? Eh bien, il était, et ça tout le monde le sait, il était franc-maçon. Donc, le fondateur de Walt Disney Enterprise, eh bien, il était franc-maçon. Intéressant, non? Le fondateur de la Watchtower, il était franc-maçon. L'entreprise Walt Disney est une entreprise privée. On ne rentre pas comme on veut. On doit payer son ticket d'entrée, n'est-ce pas? Pourtant, on voit les témoins de Jéhovah dans les centres Walt Disney, dans les Walt Disney World avec leurs petites charrettes, avec leurs magazines. Ça vous dit rien, ça? La raison pour laquelle les Watchtowers sont autorisés dans l'entreprise Walt Disney, c'est parce que l'entreprise Walt Disney sait très bien que la Watchtower est comme eux, est franc-maçonne. Parce que croyez-moi, les francs-maçons, ils cèdent entre eux. Par contre, essayez d'aller prêcher une autre religion. Allez voir si vous pouvez aller distribuer des trucs religieux d'une autre religion à Walt Disney World. Je suis pas sûre que vous pourrez. Ça, c'est une grosse preuve. Le fait que les témoins de Jéhovah ont le droit d'être là sur les lieux du Walt Disney, du parc Walt Disney. Quand on sait que les deux fondateurs de ces deux corporations, on va dire, eh bien, étaient tous les deux des francs-maçons. Et là, je vais vous montrer une petite photo qui a été montrée par Dallas. C'est aussi un ex-témoin de Jéhovah qui a une chaîne en anglais. Et regardez la photo qu'il a partagée récemment sur sa chaîne. Vous voyez ce témoin de Jéhovah avec sa petite charrette de magazine, là? Vous voyez ce qu'il y a au-dessus de lui? Eh bien, ce qu'il y a au-dessus de lui, c'est un emblème franc-maçon. Donc, témoin de Jéhovah, aussi endormi que vous voudriez être, réveillez-vous. Faites vos recherches. Au moins avant de critiquer nos vidéos. Avant de dire que nous disons des mensonges, vous devez faire vos recherches. Parce que la vérité est que vous ne savez même pas pourquoi votre Dieu s'appelle Jéhovah. Vous ne savez même pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous ne savez même pas que vous êtes franc-maçon. En tout cas, si pas vous, votre organisation l'est. Et c'est très grave. C'est très grave d'être dans une organisation dont on ne connaît pas les sources.
que vous ne sachiez pas il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a même 20 ans. C'est une chose. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus d'excuses d'être ignorant comme ça. Avec l'Internet, avec les médias, avec la télévision, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui pour mettre les choses au jour, on n'a plus d'excuses. Vous avez vu ce qui est arrivé à cette grosse tête de Hollywood, là, ce producteur de Hollywood, qui pendant des années a pratiqué l'harcèlement sexuel. Et comme la Watchtower, je crois qu'il a cru qu'il ne se ferait jamais prendre. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une vingtaine d'actrices de Hollywood qui ont décidé de le dénoncer. Et ce mec, c'est pas rien. C'est une des plus grosses têtes. Un des plus riches producteurs de Hollywood. Et je pense que le mec, il croyait vraiment qu'il ne serait jamais déterré. Mais là, il doit avoir le choc de sa vie. Parce qu'il a déjà perdu des tas de privilèges qu'il avait. Parce que si une femme l'accuse, c'est une chose. Mais 20, ça fait beaucoup quand même. Donc, personne n'a de doute que c'est vrai qu'il est en fait coupable de harcèlement sexuel envers ses femmes. Bien, la Watchtower, c'est un peu la même chose. Pendant presque 100 ans, la Watchtower a pu faire ce qu'elle voulait, a pu mentir aux gens, a pu dire une chose et après dire l'inverse et dire qu'il n'avait jamais dit ça et toutes ces conneries. Mais au bout d'un moment, grâce au fait qu'il y a tellement d'informations de nos jours et grâce au fait aussi que maintenant l'humain a tendance à sortir un peu plus de ses gonds et en avoir marre d'être trompé, vraiment marre. Et c'est pour ça que la Watchtower est aussi en train de s'écrouler, comme cette grosse tête de Hollywood, là, ce gros producteur de Hollywood. Même la Watchtower peut tomber. Ça sera sûrement encore plus difficile que la grosse tête d'Hollywood, là, mais c'est pas impossible. Vous savez que quand j'étais témoin de Jéhovah, il y avait 2 tours de garde et 2 réveillez-vous par mois. Et qu'en 2018, vous allez avoir 3 tours de garde et 3 réveillez-vous par an. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte que je ne sais pas si ça se passe en Europe. Je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe en Europe au niveau des témoins de Jéhovah. Mais en Amérique, il y a de plus en plus de congrégations qui se rassemblent dans une salle du royaume. C'est-à-dire qu'il y a 2 salles du royaume et ils en laissent tomber carrément une salle entière et ils font rejoindre 2, 3, 4 congrégations dans la même salle du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de vendre le plus possible de bâtiments. Pourquoi ils sont obligés de vendre autant de bâtiments? Parce qu'ils ont à payer des millions, pas 2, 3, 4, 5 millions, des centaines de millions de dollars en dommages et intérêts à des victimes de pédophilie qui ont gagné leur procès contre la Watchtower. La Watchtower est riche, il n'y a pas de doute, très 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 riche. Mais peu importe combien d'argent on a, au bout d'un moment, s'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Et ça, c'est vrai que l'on ait 1 000 $ ou que l'on ait 100 000 $. S'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, c'est pas bon. C'est pas bon, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Et c'est vrai que la Watchtower a un problème. Une autre chose, votre annuaire. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous avez toujours connu l'annuaire. L'annuaire des témoins de Jéhovah. Ça fait au moins, je sais pas, presque 100 ans que l'annuaire des témoins de Jéhovah existe. Bien, vous savez quoi? 2018, plus d'annuaire. 2017, c'était votre dernier annuaire. Pourquoi? 2 raisons. La première, encore, essayez de
d'économiser le plus d'argent possible. Alors, on va pas imprimer l'annuaire cette année. 2018, on ne va pas l'imprimer. Deuxième raison, qu'est-ce qu'on voit dans l'annuaire? Qu'est-ce qu'est la première chose que les témoins de Jéhovah voient dans l'annuaire? Les chiffres. Les chiffres de la croissance des témoins de Jéhovah. Et si vous vous souvenez, l'annuaire de l'année dernière, les chiffres n'étaient pas bons. Il y avait des pays stagnants. Il y avait des pays, même comme l'Amérique, où c'était seulement une augmentation de 2%, je crois, si je me souviens bien. Et il y avait des pays carrément qui, je crois, le Danemark était un d'eux, carrément avec une descente, quoi. Eh bien, je pense que si c'était déjà pas bon en 2017, c'est encore pire pour 2018. Et donc, en ne publiant pas cet annuaire en 2018, eh bien, la Watchtower fait deux choses en même temps. Elle économise de l'argent à ne pas publier ce livre et elle ne vous montre pas ces chiffres aberrants, ces chiffres descendants. Et si vous entendez que les témoins de Jéhovah est une religion qui est en train de croître encore, eh bien, vous vous trompez, c'est un mensonge. C'est pour ça que dans plus en plus de villes aux États-Unis, ils sont en train de merger plusieurs salles du royaume en une seule salle du royaume. Parce qu'il y a en fait tellement d'absents, il y a de plus en plus d'absents, parce qu'il y a de plus en plus de témoins de Jéhovah qui se réveillent et qui arrêtent d'aller à la salle. Tout le monde n'envoie pas une lettre ou ne se fait pas exclure, comme moi par exemple. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai simplement arrêté d'y aller. Et la raison pour laquelle je n'ai pas envoyé de lettre, c'est que je me suis dit, je ne dois rien à ces hommes. Je n'ai pas besoin de leur envoyer de lettre. J'arrête d'aller à la salle, c'est tout. Et il y a plein d'autres témoins qui font comme moi, je ne suis pas la seule. Donc, la Watchtower va mal. Elle va très mal. Et la raison pour laquelle elle va mal, eh bien, c'est comme ce producteur d'Hollywood. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent contre elle. Alors qu'on soit un milliardaire de producteurs d'Hollywood ou un milliardaire de Watchtower organisation, bien c'est la même chose. Ça va les affecter. Tout puissant et tout riche qu'ils soient, ça va les affecter. Et grâce à l'Internet, grâce à toutes les chaînes des ex-témoins de Jéhovah, grâce aux articles, grâce aux blogs, grâce aux documentaires même, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui entendent parler de la Watchtower. Donc maintenant, on peut dire que les gens qui deviennent témoins de Jéhovah, ben c'est ni plus ni moins les enfants des témoins de Jéhovah. Mais en ce qui concerne la croissance des témoins de Jéhovah par les gens qui rentrent en tant qu'adultes, eh bien ça diminue énormément. Énormément. Parce que de nos jours, qu'est-ce que font les gens avant de joindre n'importe quoi, que ce soit religion ou même d'aller à un restaurant? Eh bien, ils vont faire leur petite recherche sur Google. Et quand on va sur Google, qu'est-ce qu'on trouve sur la Watchtower? Eh bien, on ne trouve pas des bonnes choses. Et n'importe qui a sa tête bien d'aplomb et qui va être intéressé à étudier avec les témoins de Jéhovah et qui va faire une recherche sur Internet, il va pas étudier longtemps. Donc, faites comme eux. Faites vos recherches. Faites vos recherches et réveillez-vous. Il est temps parce que votre Watchtower, votre organisation des témoins de Jéhovah, n'est pas en bonne santé. Elle est encore là, mais qui sait encore pour combien de temps. Donc, au lieu de tomber avec elle, eh bien, réveillez-vous et sortez d'elle, comme vous dit la Bible d'ailleurs. Ok, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous vois, comme toujours, dans ma prochaine vidéo. Au revoir.